Ok, bienvenue sur Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va voir tout simplement donc le tracé du losange. C'est quoi un losange? Un losange est tout simplement donc un quadrilatère qui a quatre côtés égaux, d'accord? Donc les angles entre les côtés sont tout simplement donc différents de 90 degrés. Ok, sans toutefois tarder, on va donc directement passer à l'exercice qui va présenter étape par étape, pas à pas, comment on construit donc un losange. Nous avons donc là l'exercice. Ok, exemple. Tracer un losange ABCD de côté 4 cm, tel que nous avons bien dit que les côtés sont donc égaux, donc AB égale à B, C égale à C, D égale à 4 cm. Bon, pour cette construction, on aura donc besoin d'une règle graduée, on aura besoin d'un compas, on aura besoin également donc d'un crayon. Premièrement, on va donc mesurer déjà 4 cm avec notre règle graduée. Donc, on trace déjà donc le segment AB qui mesure donc 4 cm. Tel qu'on peut voir, voici il y a le segment donc AB qui mesure donc 4 cm. Voilà donc premièrement 4 cm qui représentent tout simplement donc les côtés de notre losange. Ok, comment on va donc continuer? On va donc aller tout simplement à l'extrémité du point A ou bien du point B, d'accord? On va incliner donc notre règle graduée à une orientation quelconque, d'accord? Selon notre choix, c'est-à-dire différent donc d'un angle droit qui est 90 degrés. Donc on va incliner là. Donc l'angle d'inclinaison est donc quelconque, d'accord? Comme nous sommes en train d'incliner tel qu'on peut voir ici en image, d'accord? On va tracer une droite en trèfle, tout simplement là. Donc une fois qu'on a donc tout simplement donc relevé la distance AB avec notre compas, tel qu'on nous avons dit là en image, donc on repère donc AB, d'accord? 4 cm. On reporte là tout simplement sur la droite que nous avons tracée en très fin, d'accord. Ça nous donne donc la position du point C. Avec le compas, avec la même ouverture du compas, on vient donc planter la pointe sèche du compas au point C, tel qu'on peut voir là. On plante donc la pointe sèche du compas au point C. On décrit donc un arc de cercle, d'accord. Donc du point C comme centre, avec pour rayon tout simplement donc 4 cm. On décrit donc un arc tel qu'on voit. Même ouverture du compas. On vient donc planter la pointe sèche du compas au point A. On décrit encore tout simplement un autre A de cercle tel qu'on peut voir. Les deux A se coupent donc pour donner la position donc du point D qu'on cherchait tout simplement ici. On peut noter dans ce point là le point D. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de joindre donc la droite CD ensuite joindre tout simplement donc DA on peut voir que nous avons déjà donc construit tout simplement notre losange, d'accord, tel que les différents côtés que nous avons ici vaut donc 4 cm AD 4 cm tel qu'on peut voir là. Donc on peut donc passer tout simplement au contrôle, on verra que ça fait donc 4 cm. D'accord, même chose ici, on a donc 4 cm. Donc nous avons donc comme ça conçu notre losange. On peut donc tracer les diagonales pour être sûr effectivement que nous avons le losange. Les diagonales là vont se couper tout simplement en formant un angle droit, c'est-à-dire un angle donc de 90 degrés. On trace donc les diagonales en très fin. On peut donc voir effectivement qu'ici, nous avons donc un angle de 90 degrés. Donc les diagonales se coupent tout simplement donc en formant un angle de 90 degrés. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo, d'accord, qui montrait donc étape par étape comment on procède pour construire donc un losange. Ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!